C'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Voilà pourquoi ils ont commencé à mettre les bagues à l'annulaire de la main gauche. Voilà pourquoi certainement vous aussi. Oh, bon, ce truc est toujours ici, quoi. D'ailleurs, j'ai faim. Cette histoire, je l'ai achetée dans un supermarché. Je sais même pas ce que c'est. J'avais tellement faim. Vraiment, il paraît que c'est mangeable. Donc, mangeons. Ah, la bouffe. C'est une histoire d'amour. Ça a l'air bon, croustillant. Espérons que je ne serai pas déçu. Wow. Qu'est-ce que c'est? Snack dash. Alors, c'est comment? Moi, je vais très bien, ça se voit. Comment allez-vous? C'est une belle journée. Vous savez, on vit dans un monde où les choses sont préétablies. On pose très difficilement des questions. On vit une vie qui a déjà été écrite par d'autres personnes qui ont peut-être été ici avant nous. Et on trouve ça tout à fait normal. On ne pose jamais les questions. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et depuis que vous savez que certaines choses sont normales, qui a certifié qu'elles étaient normales et les autres n'étaient pas? Si Amina Konaté, par exemple, épousait Aboubakar Ouédraogo. Ouédraogo. Les Ouédraogo, j'arrive, hein. Burkina. J'arrive. 2021, le début. On vous donnera plus de précisions très bientôt. Je suis super excité. Le poulet à l'ail. On m'a parlé du poulet à l'ail. En tout cas, c'est même pas vous. C'est le poulet à l'ail. Aïe, aïe, aïe. Ça sera un moment agréable. Donc, on disait, si Amina Konaté épousait Aboubakar Ouédraogo, comment appelleront-on Amina Konaté après le mariage? Madame, mademoiselle Amina Konaté épouse monsieur Aboubakar Ouédraogo. Comment appelleront-on madame Amina après son mariage? Amina Ouédraogo. D'accord. Et si Patricia Moussavou, une jeune célibataire, épousait monsieur Patrick Diawara? Patricia Moussavou, célibataire, épouse monsieur Patrick Diawara. On appellerait alors après le mariage madame Patricia Diawara, n'est-ce pas? D'accord, très intéressant. Mais pourquoi? Elle prend le nom de son mari après le mariage. Merveilleux. Et on aime ça, c'est très bien. Je sais que beaucoup ici attendent que ça, hein, l'opportunité de pouvoir devenir madame, je sais pas qui. C'est un peu comme le certificat de mariage. Mais pourquoi? Pourquoi comptez-vous abandonner le nom de votre père pour adopter le nom de votre mari, votre futur mari? D'abord, pourquoi ça se fait comme ça? Parce que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ou l'homme, la femme s'attache à la famille de l'homme. Pourquoi? Qui a commencé cette histoire? Parce que la femme doit être soumise à l'homme. J'ai demandé à une personne, une amie chrétienne, elle me dira, parce que la femme doit être soumise à l'homme, et quand la femme épouse l'homme, ils deviennent une seule chair et la femme prend le nom de son mari. C'est très bien à savoir. Mais Marie la maman de Jésus, elle était la femme de Joseph, non? Elle s'appelait Marie comment? Marie-Joseph. Non. Les femmes d'Abraham dans la Bible, Ibrahim, alayhi salam, s'appelaient comment? Sarah et Agar. S'appelaient Sarah Abraham et Agar Abraham? Non. Les femmes de Jacob, Léa et l'autre, s'appelaient quoi? Léa et Jacob? Non. La femme de Isaac, s'appelait quoi? Rebecca, Isaac. Non, ça s'appelait Rebecca. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec la soumission de la femme pour son mari. Alors ça vient d'où? Quand est-ce que la femme est devenue obligée, on doit le dire, on doit quand même le dire, ou presque, même si on ne le dit pas vraiment, en rapport avec la loi et toute sa légalité, de prendre le nom de son mari? Pourquoi la femme prend le nom de son mari? D'abord, le nom de son mari. Moi, je m'appelle Zach Mwekasa. Depuis quand je suis Zach Mwekasa?
Pourquoi j'ai deux noms? Pourquoi j'ai un nom de famille et un nom? Pourquoi avez-vous un nom de famille et un nom? Vous appelez Patrick Diawara, vous appelez Aminata Konate, Aboubakar Ouédraogo. Pourquoi vous êtes Aboubakar Ouédraogo? Pourquoi vous n'êtes pas seulement Aboubakar? Quand est-ce que ça a commencé? Ouais, pourquoi je dis qu'on doit commencer à réfléchir? Il faut se poser des questions. Un homme sage remet en question tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a appris. La vie n'est pas parfaite. Même l'histoire. L'histoire n'est pas toujours parfaite. Gardez-vous de croire qu'une version de l'histoire est tout à fait immaculée. Parce que tout celui qui écrit l'histoire l'écrit en rapport avec ses sentiments personnels. Vous comptez vous marier? Pour, comme la plupart des femmes en Afrique, évidemment. C'est génial de se marier. C'est l'honneur de la famille, c'est le sérieux, c'est beaucoup de choses, c'est l'avenir. Mais comment comptez-vous vous marier? Vous voulez une bague de mariage? Pourquoi vous voulez une bague de mariage? Parce que très souvent on dit, ah, vous êtes marié, où est votre bague? Il n'y a pas de bague. Depuis quand on a commencé à dire que c'est la bague qui certifie le mariage? Ou l'anneau? S'il y a l'anneau, donc on est marié. S'il n'y a pas d'anneau, on n'est donc pas marié ou pas correctement marié. Qui a commencé cette histoire-là? C'est la tradition. La tradition de qui? Vous voyez les questions qu'il faut se poser. Vous voulez vous marier, mettre le voile, n'est-ce pas? Vous habillez en blanc. Tan, tan, tadan, tan, tan, tadan. Mais qui a commencé l'histoire de ce voile de mariage? Qui a commencé l'histoire du voile de mariage? Qui a dit qu'il fallait nécessairement mettre un voile en blanc pour être marié à une personne? On va rentrer en arrière ensemble, réfléchir. Dans un périple de réflexion, en fatigue. Moïse dans la Bible, il s'appelait comment? Moïse qui? Moïse qui? Moïse. Moussa. Mais Moïse qui? Ok. Avant l'an 1066, il n'y avait pas de record de nom de famille enregistré nulle part. C'est avec l'industrialisation à son état élémentaire, à son état rudimentaire, qu'on a fait venir les noms de famille. Donc à l'époque, il y a cela plusieurs siècles, les gens s'appelaient Patrick, Nicolas, Jacob, Bob, Luc. Sans difficulté. Mais comme à l'époque, il fallait commencer à payer le taxe, et le taxe ne s'est payé pas nécessairement à un gouvernement établi, à l'époque, on payait un taxe comme un frais auprès des hommes forts, par exemple, pour avoir une protection de leur part. On payait des taxes chez des chevaliers pour protéger notre environnement, parce que dans le temps, évidemment, il faut reconnaître que c'était la loi du plus fort qui régnait. Si je suis fort, je te bats, je te tue, je prends ton épouse, je vais avec. Je suis fort, j'aime ton troupeau, je te décapite, je prends tes histoires et je pars. Et comme les gens avaient besoin de protection, il fallait commencer à engager des éléments forts pour défendre notre cause. Il n'y avait pas nécessairement des gouvernements. Il y avait des gens indépendants, comme des agents de sécurité aujourd'hui, par exemple. Okay? Un groupe de personnes forts, avec des chevaux, des armes, qui pouvaient défendre certaines populations, mais qui venaient mensuellement récolter le taxe ou un frais comme taxe, entre parenthèses. Mais à l'époque, comme tout le monde s'appelait Patrick, Julia, Gilbert, Monica, Bob, dans un même quartier ou dans un même village, ça devenait un peu compliqué pour retracer chaque personne, pour savoir qui a payé le taxe, qui n'a pas payé le taxe. Bob a payé le taxe, mais quel Bob? Lequel? Il fallait trouver un moyen qui fonctionne pour tracer tout le monde. Donc l'élément propulseur ou catapulteur de cette histoire, du besoin essentiel d'avoir deux noms ou d'avoir un nom de famille, comme on l'appelle aujourd'hui, c'était d'abord de pouvoir traquer tout le monde avec précision. Et quand on parle de Patrick, de Joseph, de Patricia et tout le bazar, vous comprenez clairement qu'on parle d'Europe. Parce que ces noms ne figuraient pas dans les populations africaines avant le moment que vous connaissez. Mais nous allons y arriver. Donc l'objectif principal était d'abord économique. Il fallait gagner de l'argent de chaque individu. Personne ne devrait s'échapper. Vous voyez que le contrôle n'a pas commencé aujourd'hui. Donc il fallait identifier chaque personne, malgré son prénom, avec un nom bien précis qui le sépare de tout le monde. Et au départ, on a commencé par donner le nom de famille en rapport avec l'activité de la personne. Voilà pourquoi vous verrez en France, par exemple, les bouchers, Patrick Boucher, Léonard Boulanger. Parce que Boucher, Patrick Boucher, le Patrick Boucher que vous rencontrez aujourd'hui est un descendant d'un boucher. Léonard Boulanger est clairement descendant d'un boulanger de l'époque. En Allemagne, par exemple, vous verrez Michael Schumacher ou Schumacher. Schumacher, c'est un créateur de chaussures. Ou un cordonnier. Michael Schumacher est un descendant d'un cordonnier. Ce n'est pas par hasard. En Angleterre, par exemple, vous verrez les James Cooper, descendant d'un monsieur qui travaille le fer. Nicholas Potter. Potter, c'est un potier, un créateur de vases. Ce n'est pas par hasard. On pouvait aussi donner un nom de famille à quelqu'un en rapport avec le prénom de son père, comme les Williamson. Williamson, c'est fils de William. Donc, on voit une personne aujourd'hui qui s'appelle Jonathan Williamson.
il a eu un aïeul qui s'appelait William. Les Peterson, par exemple. Peterson, ça veut dire fils de Peter. Ce n'est pas par magie. On donnait aussi des noms aux gens en rapport avec leur lieu de naissance ou leur lieu de résidence. Voilà pourquoi vous verrez des John Wells. Wells, c'est pays des Galles. Parce que c'est une personne issue de cet endroit. Ou le nom d'un village. Et là, on parle précisément d'Europe. On comprendra plus tard comment ça s'est propagé partout dans le monde. Même dans les pays slaves, par exemple, vous verrez des Nanovitch, Nikolasvitch. Les Vitch, ça veut dire fils de. Donc Nikolasvitch, c'est fils de Nicolas. Nanovitch, fils de Nano. Ce n'est pas par hasard. Donc à l'époque, comme on disait précédemment, il n'y avait pas de deuxième nom, de nom de famille, comme on dit aujourd'hui. On avait un seul nom. En tout cas, il n'y avait pas d'identifiant pour reconnaître un nom séparé au premier nom. Il a fallu des gains matériels, des gains économiques pour influencer ce changement normal. Enfin, normal aujourd'hui. Ce changement radical à l'époque. Il fallait que chacun s'octroie ou qu'il soit attribué à chaque personne un second nom pour l'identifier. Essentiellement pour le taxe. Donc, les noms de famille ont été attribués aux humains pour récolter le taxe. L'esclavage a commencé depuis très longtemps. Mais nous naissons dans un système sans comprendre, on ne pose pas de questions. On n'est pas censé avoir de nom de famille. Aujourd'hui, c'est l'honneur, j'ai le nom de mon père. Mais ce n'était pas initialement ça. Le nom de famille a été créé, ou ont été créés, principalement pour récolter le taxe. La preuve en est qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas à payer le taxe n'ont pas de nom de famille. La reine d'Angleterre s'appelle comment ? Elisabeth. Elisabeth qui ? Elisabeth II. Deux, c'est pas un nom de famille. C'est un chiffre. Ses neveux s'appellent comment ? On vous dira qu'ils s'appellent Windsor, Queen of Windsor. Windsor, c'est un village. Ce n'est pas un nom de famille. C'est quoi leur nom de famille ? Et ils n'ont pas eu à payer le taxe. Il y a à peine 12 ans, à peine 12 ans, qu'ils ont choisi de payer volontairement le taxe. Hein, pour essayer d'atténuer les esprits qui savent réfléchir. Alors, quand est-ce que Aminata Kounaté était censé devenir Aboubakar Ouédraogo? Quand est-ce que cette loi est venue et apparue où les femmes sont essentiellement obligées, entre parenthèses, de devenir... voilà, vous avez compris. Jusqu'au 9e siècle, les femmes n'avaient pas le nom de leur mari. Les femmes étaient elles-mêmes sans être leur mari ou sans être voilà, attribuées directement à leur mari. Mais il y a une loi qui est venue en Angleterre, The Law of Coverture. Coverture ou couverture, enfin couverture en français, qui exigeait à ce que tout ce qui appartenait à la femme, sur le plan légal, ses biens, ses matériels, tout ce qu'elle pouvait gagner, appartienne automatiquement à son homme. Donc la femme et l'homme devenaient une seule personne. Mais en réalité, la femme disparaissait, c'est l'homme qui restait. La personne visuelle, la personne visible. Parce que la femme, désormais, pouvait se cacher derrière son mari. Mais elle n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit en solo, sans l'accord de son mari. Elle ne pouvait pas faire de contrat, elle ne pouvait pas se lancer dans quoi que ce soit comme activité, sans l'accord de son mari. The law of coverture. C'est à partir de là que chaque femme était obligée, entre parenthèses, d'avoir comme nom, donc à part son prénom, le nom de son mari. Ce n'était donc pas par amour. Ce n'était pas par amour. C'était parce que, bon, voilà, désormais, je t'aime, tu deviendras ma propriété. Et je t'appellerai Patricia Moussavou. Bon, Patricia Peterson, Ivanovitch. Ça, ce n'était pas notre culture. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rejeter les noms de vos maris. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il est important de rentrer dans l'histoire pour comprendre. Vous savez, en psychologie, on parle de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand vous avez deux informations qui se contredisent à fond. On aime tous être Patricia Moussavou, quand on est marié à Moussavou. Mais quand on nous présente une information telle que celle-ci, il y a deux effets. Soit on la prend au cœur, d'accord, c'est une bonne information, soit on la rejette. On l'appelle le run or fight. C'est-à-dire, ton esprit est obligé de combattre, de lutter pour un concept pour lequel tu as toujours lutté toute ta vie. Si quelqu'un d'étranger essaie de d'ébranler un concept sur lequel est fondée votre identité, mentalement, vous faites tout pour rejeter l'idée. Rentrons dans l'histoire. Donc avant le 9e siècle, il n'y avait pas de femmes qui avaient le nom de leur mari. Le nom leur a été attribué pour spécifier à qui appartenait cette femme. C'est la triste réalité. Donc, pour rentrer en arrière un peu, les hommes prenaient le nom de famille en rapport avec le nom de leur père, Williamson ou Peterson, leur activité de travail, leur occupation, donc bijoutier, boulanger, braconnier, bref, ou leur lieu de résidence, Windsor, Manchester, New York. Même en Afrique, les gens n'avaient pas nécessairement le nom de leur père. Si vous regardez dans certains endroits, vous verrez très clairement que les gens avaient des noms. Chacun avait son nom. Il y a des tribus ici, vous voyez, les gens n'ont pas vraiment le nom de leur père. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'efforcent d'effacer leur nom pour y ajouter le nom de leur père.
pour faire un peu sexy et propre. C'est ça la culture. Moi, quand je suis né, je n'ai pas eu le nom de mon père. C'est moi qui ai forcé le nom de mon père. Donc, il a fallu structurer ces choses telles que nous le voyons aujourd'hui. Avec la colonisation, évidemment, il fallait répertorier chaque correctement en rapport avec leur préparation pour savoir isoler chaque personne. Donc, il fallait désormais adopter un nom et un prénom. Voilà pourquoi vous vous appelez Patrick, d'ailleurs. Vous ne devriez pas vous appeler Patrick et moi, pas Zach. Oui. Voilà pourquoi vous appelez Michaela ou Rita, Noëlla. Ce ne sont pas vos noms. Nous parlons d'histoire, pas d'émotion. On va continuer. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, vous allez vous marier très bientôt. Vous attendez votre voile de mariage. Alors, l'histoire de voile, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Quand est-ce qu'on a commencé à adopter le voile? Quand est-ce que le voile est devenu symbole du grandiose mariage? Pour parler seulement de la Grèce, parce qu'il y a des histoires de chaque côté du monde, on ne risque pas de plonger là-dessus, sinon ça nous prendra beaucoup trop de temps. Les Grecs, par exemple, croyaient qu'il fallait mettre le voile pour se marier. La femme devrait mettre le voile pour se marier, pour se protéger des esprits maléfiques pendant sa célébration de mariage. Donc le voile était comme un bouclier, une cuirasse, pour protéger son foyer contre les esprits maléfiques. Il fallait mettre un voile et aller se marier. Mais beaucoup ont copié, beaucoup ont copié. Et pendant leur célébration à l'époque, les gens pensaient tellement que le voile était doté d'une puissance extraordinaire que des jeunes femmes venaient subtilement couper une partie du voile pour emmener à la maison, en guise de bonne chance. C'est à partir de là qu'a commencé la tradition de jeter des bouquets de fleurs en arrière. Donc, jeter le bouquet de fleurs était représentatif de la chance qu'avait la femme mariée. Et toute personne qui attraperait ce bouquet de fleurs aurait transférer dans sa vie cette chance qu'avait la femme mariée. Et ça, c'était pour contrer le fait que la plupart des gens venaient couper un morceau d'étoffe du voile de la femme pour gagner une certaine bénédiction ou une certaine protection. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tradition. À la fin de chaque mariage, on jette le bouquet sans comprendre pourquoi on le fait. Les Grecs l'ont commencé pour se prémunir de ces personnes qui coupaient le voile qui était censé être protecteur contre les esprits méchants. Et la bague, l'anneau. Tout le monde veut une bague en diamant. Une belle bague pour symboliser. Aujourd'hui, quand on se marie, qu'est-ce qui se passe? On prend des photos comme ça. C'est comme si le mariage était ici. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Voilà pourquoi les mariages échouent comme jamais auparavant. Parce que tout le monde attend ce moment-là où il fera ça. Pour prendre une photo. En fait, c'est pour... L'objectif, c'est montrer le doigt. Je suis prise. Et beaucoup de personnes, au lieu de se préparer, pour la vie après le mariage, se préparent, font tout ce qu'ils peuvent, investissent leur temps, leur capacité, leur intelligence, jusqu'au jour de mariage. Donc tout se fait pour la célébration du mariage, la fête, l'image qu'on renvoie, les habits qu'on met, la voiture dans laquelle on vient. Mais après le mariage, ça devient très compliqué. Qui a commencé cette idée de bague à gauche pour le mariage? Vous êtes-vous déjà posé la question? Les historiens nous disent que les Égyptiens avaient déjà des bagues, enfin des bagues ou des bagues en papyrus pour symboliser leur union de mariage. On dit aussi que ce sont les Romains sous l'influence des Grecs qui ont commencé des bagues en fer, c'est-à-dire bagues en fer ou en cuivre, et cela dépendait du niveau social de chaque individu. Donc pour une personne hautement classée en société, il offrait une bague, une grosse bague, en cuivre ou en métal à une femme pour symboliser son amour. Le premier événement de bague en diamant enregistré d'après certaines versions de l'histoire a été en 1477 par le roi Maximilien de l'Allemagne, après qu'il ait proposé à Marie de Burgundy. Et pour symboliser son amour de grandeur, de majesté et de royauté, il a présenté une bague en diamant. Et ça, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Alors, l'esprit de bague de fiançailles, bague en diamant, pour ouvrir la porte à l'amour, à la probabilité d'un mariage. Excusez-moi. Les bagues en diamant de fiançailles et de mariage, hein, que beaucoup adorent, idolâtrent aujourd'hui, surtout en Europe. Je sais que le diamant est vraiment adulé en Europe. Hein. Pas autant en Afrique, parce que dans beaucoup d'endroits en Afrique, on préfère les bagues en or. Les bagues en diamant ont commencé quand? Les bagues en diamant ont commencé en 1888 avec De Beers. De Beers est une Fortune 500, une multinationale basée à Anvers, je crois. Exploitatrice de mines créée par Cecil Rhodes, un génocidaire en Afrique du Sud. Un Européen génocidaire en Afrique du Sud. Qui a d'ailleurs créé cette citation que vous entendez très souvent en anglais. « Diamond is forever ». C'est De Beers de Cecil Rhodes qui a fabriqué cette histoire-là. « Diamond is forever ». Diamond is not forever. It's forever sur quoi?
dont le diamant est pour toujours, existera pour toujours. On a créé dans chacun de nous ce sentiment, le besoin de s'acheter du diamant pour certifier son mariage. Et pour eux, c'était pour des raisons économiques. C'était pleinement économique. C'était simplement pour faire un maximum d'argent. Aujourd'hui, pour proposer à une fille ou une femme, il faut, pour la plupart de cas, présenter une bague en diamant. Et avec le temps, les gens ont agréé. Et là, on parle de bague en diamant spécifiquement. Donc, il faudrait comprendre d'où on vient pour savoir où on part. Rien n'est là par hasard. Comme je vous le disais précédemment, vous prenez un adulte par exemple, vous le jetez dans une maison où papa est homme, maman est homme. Il aura du mal à évoluer, parce que ce n'est pas ce qu'il a connu. Mais prenez un enfant tout petit, que vous adoptez, ou que vous laissez adopter par un couple où papa est homme, maman est homme. Si l'enfant a été adopté trop petit, il ne remettra jamais en question cette union, ou cette configuration, parce que ce sera tout ce qu'il aura connu. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on fait beaucoup de choses, qu'on trouve normales, sans vraiment remettre en question ou poser des questions pertinentes et révélatrices. Encore une fois, ce n'est pas pour vous empêcher de porter vos bagues ou vos anneaux en diamant ou tout ça. Je sais que c'est devenu une question de style. D'ailleurs, aujourd'hui, même malgré ce message, si vous vous mariez, vous allez quand même offrir une bague. Ça, c'est clair, on le sait. Si vous êtes déjà marié, vous avez votre bague qui d'ailleurs représente une possession. Parce que chez les Grecs, la bague qu'on donnait à la femme signifiait, ça c'est ma possession. Parce que sur les bagues était ancré le nom du mari. Si on vous le dit aujourd'hui, est-ce que vous jetterez votre bague, votre anneau? Aujourd'hui, on vous dit la bague symbolise l'infini. Qui a commencé l'histoire de l'infini? Il faut faire des recherches là-dessus. C'est une politique commerciale, comme Diamond is forever. L'objectif, c'est de nous faire comprendre votre amour pour votre bien-aimé ne peut pas être symbolisé par des éléments physiques, par une bague ou un truc en diamant. Une personne qui vous aime véritablement n'a pas besoin de bague pour vraiment vous aimer. Celle qui ne vous aime pas, malgré la bague, ne vous aimera pas. Ça ne change rien du tout. Et ce n'est pas pour décourager les hommes à le faire, c'est pour nous faire comprendre. On doit remettre en question tout ce qu'on connaît, c'est important. Même si vous décidez de garder une certaine tradition, c'est important de comprendre la genèse de cette tradition. Donc, les noms de famille sont importés. Les noms de famille n'ont pas existé depuis un temps. Donc, si vous rencontrez une famille où l'un s'appelle Patrick Mikundi et son frère s'appelle Luc Massavo, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de votre pays, où il y a un truc qui cloche. En Afrique, généralement, les gens s'appelaient selon leur nom. Ou quelquefois, selon le nom de leur oncle. C'est avec la colonisation qu'est venu l'aspect où je m'appelle Mwekasa, tous mes frères devraient s'appeler Mwekasa, pour faire référence à mon père Mwekasa, pour que la politique sache comment bien nous gérer. Ah, le groupe de Mwekasa, il y a tel, tel, tel. Les groupes des Mikundi, il y a tel, tel, tel. Sinon, c'était un peu compliqué pour eux, chose qu'ils avaient déjà appliquée chez eux depuis très longtemps. L'origine de la bague, des anneaux de mariage, comme on l'a perçu, d'après une grande partie de l'histoire, on le retrouve en Égypte, on le retrouve en Grèce, on le retrouve dans l'Empire romain, mais ce n'était pas dans le sens commercial aujourd'hui. Dans le passé, pour certains peuples, c'était une façon de posséder sa possession, donc parmi certains peuples. Aujourd'hui, c'est plus commercial, c'est une question de faire de l'argent. Voilà pourquoi il y a une bague de présentation, une bague de fiançailles, une bague des dots, une bague de mariage, une bague d'anniversaire, une bague de cinquantenaire, purement commercial. Alors, pourquoi on met la bague précisément ici, à l'annulaire de la main gauche, hein? C'est parce que les Romains pensaient qu'il y avait une veine qui quittait l'annulaire de la main gauche directement vers le cœur. Vena amoris. Bon, jusque-là, il n'a jamais été prouvé que cette veine existe vraiment. Mais c'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Voilà pourquoi ils ont commencé à mettre les bagues à l'annulaire de la main gauche. Voilà pourquoi certainement vous aussi. Mais il faut tenir en compte que ce n'est pas dans chaque pays qu'on porte la bague à la main gauche, à l'annulaire. Dans certains pays, en Europe d'ailleurs, certaines traditions, on met la bague ailleurs, la main droite par exemple. Mais bon, aujourd'hui, vous savez qu'il vous faut vous marier et quand il faut mettre la bague, il faut porter l'anneau ici, n'est-ce pas? Mais on ne s'est certainement jamais posé la question de savoir pourquoi ici et pas là, et pas là. Et pas là. Pourquoi de bagues? Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. L'information est très importante. Elle nous libère. Et les débiteurs sont très riches. Super riches. Parce que chacune d'entre vous veut une bague venant de chez eux. Et je ne vous décourage pas de ne pas acheter de bagues. Hein. Il faut acheter si ça vous fait plaisir. C'est juste l'information. Diamond is forever. Tout le monde a compris que voilà, pour exister, pour valider notre amour, il faut acheter une bague venant des billets, quoi. Non, mais ces gens sont des maîtres. Ancrés dans notre psychologie. Même à l'église, on nous exige. L'histoire nous libère. Encore une fois, je ne vous demande pas d'arrêter de porter vos bagues. Je donne seulement l'information. Et quand vous êtes censé marier, remarquez, vos amis vous demandent « Ah, montre-moi la bague !» Ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux de ce que vous êtes. C'est parce qu'ils veulent voir la valeur de votre bague.
Qu'est-ce que le monsieur a dépensé pour vous? Tout est commercial. C'est comme la Noël, comme Black Friday. Il faut comprendre la profondeur de l'histoire. Et généralement, comme la spiritualité souvent va en accord avec la politique, dans beaucoup de cas, quand la politique agrée, la spiritualité ou les religions agréent. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. L'histoire est tellement grande, je ne pourrais malheureusement pas tout condenser dans cette vidéo. Il y a tellement d'éléments, tellement de références. J'ai essayé de tirer ici et là, un peu ici, un peu là, sans donner des précisions, sinon ça nous prendra 2 heures, si pas 4. Laissez un commentaire, partageons, avançons, construisons-nous mutuellement, comprenons d'où nous venons pour comprendre où on va. Nous sommes l'armée de demain, les représentants de l'Afrique, c'est nous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.